C'est une victoire des plus belles. En recevant le label École de football féminine niveau argent, le Chaumont FC devient le premier et le seul club de football au Marnais à obtenir une telle récompense. Décerné par la Fédération française de football, ce label valorise les clubs qui développent leur section féminine. Ça récompense le travail, mais c'est pas pour ça qu'on, c'est pas pour la récompense qu'on le fait. C'est parce qu'il est normal que les filles aient accès à tous les sports. Et c'est important que les clubs se développent là-dessus. Sur le football, enfin le sport au féminin, et ça va poser des problèmes à personne. En 2019, le Chaumont FC avait déjà reçu le niveau bronze. Pour obtenir l'argent, les critères sont relativement exigeants. Le club doit notamment avoir au moins 12 licenciés dans les catégories U6 à U11 et U12 à U19 et bénéficier d'un référent football féminin et d'au minimum 3 femmes dans l'encadrement. On a envoyé des éducatrices en formation pour obtenir des diplômes. On a essayé de faire des journées de promotion, des portes ouvertes pour le foot féminin, pour avoir des petites et puis après les former pour les faire venir à terme dans les équipes 18 et seniors. Aujourd'hui, le Chaumont FC compte 4 équipes dans sa section féminine. Les U13 et U15 en football à 8 et les U18 en foot à 11. Quant à l'équipe senior, elles évoluent à 8, mais le club espère les monter en foot à 11 dès la saison prochaine. Au total, près de 70 joueuses âgées de 5 à 43 ans sont licenciées au sein du club. Je savais déjà que c'était féminine et donc ça m'a donné aussi envie d'y aller parce que je savais qu'il y allait avoir des filles comme moi, des filles qui allaient avoir le même niveau que moi puisque moi c'est ma première année de foot. Vu que je suis toute petite, j'ai toujours joué forcément avec des garçons et depuis 2-3 ans, j'ai décidé de changer et d'évoluer dans un club avec que des filles et essayer d'avoir des objectifs, essayer d'évoluer et d'aller un petit peu plus loin. C'est vrai que ça fait du bien parce que on a toujours une image du foot féminin assez arriérée, alors qu'au final je suis arrivée ici et tout de suite j'ai compris que les filles avaient largement leur place dans le foot et on a toujours été prioritaires, on a toujours eu ce dont on avait besoin et franchement c'est nickel. À terme, le Chaumont FC espère continuer la féminisation du club, aussi bien dans l'encadrement que sur le terrain, et pourquoi pas obtenir le niveau or, encore plus difficile et exigeant.